Donc là, je sais que ben, voilà, maintenant, j'ai plus vraiment plus du tout besoin de travailler jusqu'à la fin de ma vie et je peux avoir tout ce dont j'ai envie. Et la seule raison pour laquelle je continue ce que je fais, c'est parce que j'aime ce que je fais. C'est pas pour l'argent. Je travaille plus pour l'argent aujourd'hui parce que je sais que j'en ai bien assez pour faire tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, tu connais. Et cliquez sur la notification. Aujourd'hui, les gars, on est avec du lourd. On est avec du lourd, tu connais la famille. On est avec Yomi Denzel, la machine de guerre. Comment ça va, Yomi? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. L'homme est attaqué de toutes parts, on le clash, c'est le boss. Tu vois, quand tu es assis sur le trône, parce que c'est un trône, tu vois, du dropshipping, il est assis sur ce trône-là. C'est lui, Yomi, il est clashé, tout le monde veut le clasher, tout le monde veut citer son nom pour faire du buzz ou pas. On ne sait pas. Là, durant cette interview. Donc, du coup, Yomi, écoute, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Un petit peu comment tu as commencé, où tu as grandi, comment ça t'est venu le truc de vouloir te lancer dans le business. Yes, bon, avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ma coupe de cheveux et ma barbe, hein, c'est confinement, on connaît, il n'y a pas de quoi faire. Tu te débrouilles bien, toi, tu n'as pas de cheveux, c'est plus simple. Mais moi, c'est le confinement toute l'année, moi. Donc, Non. Alors je m'appelle Yomi, j'ai 23 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a 3 ans maintenant, il y a un peu plus de 2 ans dans le e-commerce. Et puis donc j'ai commencé alors que j'étais à l'université et puis au fur et à mesure j'ai eu un beau parcours, j'ai réussi à développer plusieurs marques en e-commerce et puis en parallèle de ça j'ai développé ma chaîne YouTube et puis je fais des conférences, des formations pour toute la francophonie au final. Ok, so, du coup alors là t'as été trop vite, t'inquiète pas, on va reprendre petit à petit. Donc du coup, pourquoi t'as pas fait juste le schéma classique, aller à l'école, faire des longues études? Qu'est-ce qui s'est passé? Yes, alors moi depuis que je suis gamin, vraiment depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours eu envie d'être riche, genre pour le dire de manière claire. J'avais vraiment envie, j'étais super ambitieux, donc c'était pas seulement l'argent qui me motivait, mais le succès en général. Donc j'avais envie d'aller loin dans la vie et puis quand j'étais jeune, je ne savais pas trop comment faire. Donc je demandais à tout le monde et la réponse qu'on m'a donnée, c'est la réponse qu'on donne à tout le monde, c'est voilà, faut faire des études. Après tu peux aller dans une grande entreprise et puis après potentiellement, quand tu as de l'expérience, de l'argent, etc., tu peux lancer ton propre business et c'est là que tu pourras vraiment avoir la liberté et puis le succès dont tu as envie. Donc quand j'étais jeune, j'étais vraiment fixé là-dessus. Mon père, c'est quelqu'un qui valorise énormément les études. J'étais toujours assez concentré pour essayer d'avoir des bons résultats scolaires. Je me suis pas mal démerdé, mais aux alentours de mes 18 ans par là, j'ai vraiment commencé à… Parce que je déteste les études en soi, l'école, les études, j'ai toujours détesté ça. J'ai commencé à m'en renseigner et à regarder s'il y avait une autre manière de faire. Au début, je n'en trouvais pas. Donc, je me sentais un petit peu condamné à finir mes études et ensuite après aller dans une multinationale. J'avais déjà fait un stage justement quand j'avais 18 ans et j'avais détesté le fait de travailler dans une multinationale avec le schéma classique, métro, boulot, dodo, etc. Mais j'étais bloqué en soi parce que je ne savais pas comment faire. Genre, je m'imaginais que pour lancer un business, il fallait des dizaines de milliers d'euros, qu'il fallait avoir l'idée du siècle, comme on voit dans les films, quoi, qu'il fallait inventer le prochain Facebook ou je ne sais quoi. Et ça, je n'avais pas vraiment les clés en main, je n'avais pas vraiment d'idée. J'attendais que l'idée, elle me tombe dessus, etc. Et c'était quand j'étais à l'université, même un petit peu avant en fait, je suis tombé sur Ty Lopez, donc, qui faisait des vidéos aux US où il parlait d'entrepreneuriat, etc. Et j'ai accroché assez rapidement parce que je l'ai découvert avant qu'il soit connu. Donc Ty Lopez, pour ceux qui connaissent, c'est un gars aux US, il n'était pas du tout connu, il avait genre 10 000 abonnés sur YouTube, moi j'en faisais partie. Et ensuite après, il a commencé à faire des pubs genre sur tout YouTube et il est devenu presque une star, quoi. Et au début, franchement, il faisait des vidéos qui étaient super intéressantes, il parlait beaucoup de livres et je voyais que le gars, il disait pas n'importe quoi, que c'était pas un gars comme on peut voir sur Internet souvent,
où ils te vendent des options binaires ou quoi, et t'es là, mais enfin, c'est forcément une arnaque, c'est des conneries. Tu peux pas devenir millionnaire en restant assis sur ton fauteuil et puis en laissant un robot faire le travail pour toi ou je ne sais quoi. Donc j'ai accroché, et à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait une espèce de, enfin, que c'était possible de lancer des business d'une manière différente. Mais je ne me lançais pas. Je ne me lançais pas parce que, ben, comme tout le monde, on a peur, c'est différent, on ne sait pas ce que c'est, on ne le croit pas forcément, on a toujours des doutes. Et puis, ben, à mon premier examen de l'université, je suis rentré chez moi, j'avais travaillé pour cet examen, je ne sais pas, des centaines et des centaines d'heures. Et mon but, en fait, à ce moment-là, c'était d'avoir vraiment de faire partie des cinq meilleurs de mon université pour ensuite pouvoir aller à Harvard. Et je pensais que voilà, une fois que je serai à Harvard, après c'est bon, j'aurais réussi. Et du coup, je pensais que j'avais foiré cet examen qui était le plus important au final. Et donc là, j'étais vraiment en déprime totale. J'étais là, waouh, ça fait 6 mois que je travaille pour cet objectif-là. Je ne vais pas y arriver. Et là, j'ai pété un câble et je me suis dit, bon, bah, si les études, ça ne marche pas, bah, je vais me lancer dans le business. Et j'ai pris la carte de crédit de ma mère. J'ai acheté la formation de Tai Lopez j'ai acheté sa formation qui était justement sur comment créer une agence de marketing digital. Et ensuite, bah, j'avais fait le pas. J'étais là, bah, j'ai dépensé 1 000 $, ce qui était énorme pour moi à l'époque. Il faut que je les rembourse. Donc, j'ai commencé à regarder le contenu, etc. Et 3 semaines plus tard, je signais mon premier client qui me payait 1 500 $ par mois. Et ensuite, après, j'ai signé d'autres clients, etc. On tournait à 3 000 $ par mois en moyenne pendant 4-5 mois. Mais le problème avec ça, c'est que l'agence de marketing digital, c'était assez dur à scaler en soi. Donc, en parallèle des études, vu que j'avais pas beaucoup de temps, pour avoir des clients, bah, il faut aller parler aux clients, il faut presque créer une équipe, mettre des process en place, avoir des bureaux, etc. Et genre ça, je ne pouvais vraiment pas le faire en tant qu'étudiant. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pensais. Donc, j'essayais de trouver d'autres manières de faire, enfin, de trouver un autre business en soi. Et c'est là qu'il y a vraiment le dropshipping qui est arrivé. Ça, c'était mi-2017. Dropshipping à tout le monde. Hein ? Mais finalement, sans vouloir te couper, mais finalement, tu l'avais réussi l'examen ou pas alors ? Bon, en fait, l'examen, j'ai eu 6, donc la meilleure note, donc 20 sur 20 pour les Français. Et en fait, c'est juste que j'ai douté, mais au final, j'avais bien réussi. Et tous mes examens d'après, je les ai super bien réussi aussi. Et au final, bah, j'ai continué les années d'après, etc., même en parallèle de mon business, à me concentrer à fond sur les études. J'ai fait super attention de prioriser, de faire en sorte de travailler le moins possible à l'université, mais quand même d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et c'est pour ça qu'après, par la suite, j'ai quand même pu aller à Harvard alors que je gérais mon business en même temps. Il y a le dropshipping qui est commencé à arriver. Ça, c'était les vacances d'été. Et là, pendant ce temps, j'ai commencé à lancer mes premiers business dropshipping. Mm-hmm. Et là, ça a assez vite marché. Je suis monté en un mois et demi, je suis monté à 1 000 euros par jour. Et 1 000 euros par jour, à l'époque, en dropshipping, c'était un truc de fou. Hein. Genre, maintenant, ça paraît rien pour les personnes qui sont dans le milieu. Mais à l'époque, je me rappelle, je mettais mes chiffres dans les forums et je me faisais harceler. Et les gens, ils croyaient que c'était des faux screenshots, tellement c'était élevé pour eux, etc. et donc, du coup, bah, à ce moment-là, j'étais vraiment en mode, OK, je ne peux pas arrêter les études, c'est mort, c'est toujours mon but principal en soi, mais si je suis bien organisé, je peux avoir mon business en parallèle. Et donc, je travaillais, je m'en souviens, c'était vraiment toujours la même chose. Je travaillais énormément à l'époque. Donc, j'allais à l'université vers 8 heures. Je suivais les cours. Ensuite, après, je révisais mes cours, etc. Je rentrais chez moi à 19h30. Je me faisais à bouffer en 5 minutes. Et à 8 heures, j'étais à la bibliothèque. Et à la bibliothèque de 8h à 22h, là, je t'ai fait uniquement sur mon business. Et en faisant ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que à l'époque, il n'y avait vraiment pas autant d'informations que maintenant. Il n'y avait pas trop. Enfin, les formations en ligne, c'était vraiment de mauvaise qualité. J'en ai acheté plusieurs. Mais j'étais la seule personne dans les formations à avoir des résultats dans le groupe Facebook, etc. Parce qu'au final, j'ai trouvé mes propres stratégies. Moi, je suis un gars un peu obsédé, donc j'étais toujours obsédé en train de penser au business et j'ai développé des nouvelles approches marketing. Et puis, j'étais un des premiers à faire du marketing d'influence, donc à utiliser les influenceurs. Les gens les utilisaient, mais vraiment n'importe comment. Ils faisaient des posts sur Instagram. Moi, je suis le premier en France à avoir fait des stories Instagram
pour faire acheter, donc avec un format, etc., des ongles marketing. Et ça, ça a super bien marché. J'ai fait 17 000 ou 16 000 euros, je ne sais plus, en un jour à Black Friday, du coup, de la même année. Et là, j'étais là, wow. J'ai dépensé, genre, je pense, 150 balles, ou je ne me rappelle plus, c'était vraiment ridicule ce que j'ai dépensé, peut-être même moins de 100 balles. Et j'ai fait 16 000 euros et j'étais là, wow. C'est vraiment un truc qui marche en fait. Je faisais plus d'argent que mes profs à l'uni et tout. Et j'étais là, wow, faut que je me lance là-dedans. Et donc après, j'ai dû un peu ralentir pour les examens. Et ben, là, vraiment, il y a eu le gros déclic. C'était début 2018. J'ai travaillé, j'ai peaufiné mes stratégies avec le marketing d'influence. Et puis, j'ai commencé à les utiliser. J'ai fait genre 23 000 euros en 24 heures. Et après, ça a fait que monter, que monter, que monter. Et puis en parallèle, eh ben, il y avait tellement de personnes qui me posaient des questions parce que je partageais un peu ça sur les réseaux sociaux que je me suis dit, de base, je prenais des coachings un petit peu. Genre vraiment, j'en ai pris genre 3 ou 4, pas plus. Parce que ça me prenait trop de temps. Genre, je pouvais pas, avec mes études, avec tout ça à côté, genre, prendre les personnes une à une, même si les personnes étaient prêtes à me payer genre 500 balles ou 1000 balles de l'heure, et à l'époque c'était énorme pour moi. Mais au bout d'un moment j'étais là non. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai foutu mes conseils sur YouTube. Après les gens ils étaient là, bien sûr sur YouTube je vais pas mettre mes meilleures stratégies parce que ce serait débile. Donc après les gens ils étaient là, ouais non mais moi je veux vraiment tes stratégies que tu utilises, les meilleures, etc. Je veux pas des tutos de base. Donc après je me suis dit je vais faire une formation. Après j'ai lancé ma formation. Vu qu'à l'époque, il y avait des gens qui faisaient des formations, etc. Il y avait des gens sur YouTube, mais ils n'avaient pas de chiffres ou ils n'avaient pas vraiment les bonnes stratégies. Et les gens, ils ont vu, quand ils regardaient mon contenu, que genre, je savais réellement de quoi je parlais. Et là, ma chaîne YouTube, elle a commencé à exploser. Et puis, il y a énormément de personnes qui ont rejoint la formation. Il y a tout le monde qui a eu des résultats hyper rapidement parce que mes stratégies, il n'y a personne qui les utilisait à l'époque. Donc, il y avait vraiment genre des dizaines de témoignages tous les jours dans le groupe Facebook, c'était un truc de malade. Et donc du coup après là j'ai continué à faire croître mes business, je me suis un peu dégagé du temps de travail en créant une petite équipe, en travaillant avec 2-3 associés. Et après en parallèle je faisais aussi les vidéos sur YouTube, les formations. Ensuite, ça c'était la première phase, donc vraiment le déclic où j'ai commencé à, voilà, à cette époque-là, je générais entre 50 000 et 150 000 euros de bénéfices tous les mois, tout business confondu. Et j'étais à l'uni, quoi. J'étais à l'uni, j'allais en cours et puis je me disais, je gagne ce que le prof gagne en une année, en un mois, si ce n'est plus, quoi. C'était assez, assez drôle. Et donc là, à ce moment-là, j'ai quand même fait ma candidature pour Harvard. J'ai été pris. Wow. Et en fait, je m'étais juré que si j'étais pas pris à Harvard, j'arrêtais les études. Et si j'étais pris à Harvard, je continuais les études. Et en fait, quand j'ai reçu la lettre, j'étais super content, mais d'un autre côté, j'étais pas content parce que ça voulait dire que je vais encore me taper un an d'études. et du coup, donc ça, c'était ma première année d'uni, en fait. Et après, pendant les vacances d'été, là, on a fait croître tout. On a fait plus de 100 000 dollars en 24 heures. On a fait différents records. J'ai encore amélioré la formation, etc., etc. Et après, le prochain grosse évolution qu'il y a eu, c'était début 2019, où là, j'ai fait une vidéo où j'ai fait une vidéo dans ma vie à Harvard et puis une vidéo où j'ai raconté mon histoire parce que entre-temps, j'étais devenu millionnaire. Donc, j'ai fait une vidéo d'étudiant fauché à millionnaire en un an. Cette vidéo aujourd'hui, elle a 2,5 millions de vues. Donc ça m'a vraiment propulsé à un autre niveau. Avant, j'étais juste un gars qui faisait des vidéos sur YouTube pour les gens qui étaient à fond dans le dropshipping, etc. Et à partir de ce moment-là, j'avais vraiment des gens qui connaissaient rien au business, savaient peut-être même pas qu'ils avaient envie de devenir entrepreneur, qui suivaient ma chaîne YouTube et qui adoptaient plus ou moins ce que je mettais sur ma chaîne, les valeurs de l'entrepreneuriat, etc. Et puis, ça montrait en fait. Moi, je me rappelle que quand je me suis lancé, j'avais pas genre ce genre de chaîne YouTube. Et de pouvoir aider les personnes qui cherchent un petit peu et qui ont en fait au fond d'eux l'envie d'être entrepreneur, de leur montrer qu'il y a une réelle voie en 2020 et que c'est à la portée de tout le monde, c'est pas du tout facile. Mais si quelqu'un est assez motivé, il peut le faire, j'en suis convaincu. S'il est prêt à changer son mindset, je suis convaincu que tout le monde peut le faire. Et donc du coup, j'ai eu cette croissance sur YouTube.
Et bien sûr, la chaîne YouTube a explosé, les formations, ça a explosé. Et puis ensuite, là, en fait, je venais de revenir d'Harvard. Donc, mon business, il était mais tellement mal structuré. Genre, on faisait plus de 100 000 par mois avec le e-commerce, mais c'était géré n'importe comment. Et donc, du coup, là, j'ai fait venir d'autres personnes, j'ai tout réorganisé, j'ai encore développé des nouvelles stratégies et tout. Et on a une belle évolution niveau e-commerce. On est passé de genre, entre 50 et 100 000, plus que 100 000, je crois qu'on était quand même. Ouais, aux environs de 100 000 par mois à 300 000 par mois, 400 000 par mois, 1 million par mois. Et puis, on a carrément fait en mai 2019, on a fait 1 million en 24 heures. C'est une vidéo aussi qui a pas mal buzzé sur YouTube. On a réussi à faire 1 million en 24 heures en dropshipping. C'était pas une vraie marque à l'époque, c'était quand même plus ou moins du dropshipping. Bien sûr, amélioré, donc on avait des bons délais de livraison, on avait quand même fait pas mal de stock, on avait un agent, etc. Donc c'était pas. On peut pas envoyer pour 1 million de ventes à partir d'AliExpress, quoi. Mais pour le coup, c'était un record. Franchement, je pense que même aujourd'hui, dans le monde, il n'y a personne qui a fait plus qu'un million en 24 heures en dropshipping. Après, c'est des chiffres qu'on peut dépasser, mais quand on a une marque, quoi. C'est des chiffres qu'on a dépassés, mais avec une marque. Et on a continué tout ça. Là, à partir de ce moment-là, j'ai juste continué à améliorer les deux business, donc à améliorer mes formations toujours, à continuer à faire des vidéos sur YouTube pour inspirer les gens. Et puis, bien sûr, améliorer les sites en dropshipping. Maintenant, je ne fais plus trop de dropshipping, je fais presque du vrai e-commerce, donc on a nos stocks dans 90% des cas, on a des stocks, on a nos logos, on a nos packaging. Et puis maintenant, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre de plus en plus sur des produits qui sont difficiles à produire. Donc, on va pas juste prendre, une montre classique, on va prendre une montre avec notre logo, modifier la montre, aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Et ça, c'est des projets qui sont super intéressants et qui prennent plus de temps, quoi, à mettre en place. Là, il y a une marque, par exemple. Ça fait 6 mois que je suis dessus, on n'a pas encore lancé, quoi, parce que le processus de développement est beaucoup plus complexe. Donc ouais, ça fait une bonne évolution, puis on essaie toujours d'aller plus loin, quoi, sur les différents business, quoi. Wow, c'est énorme, une histoire de malade. Mais du coup, c'est quoi la différence que tu fais entre la marque, créer la marque et faire du dropshipping AliExpress? Et pourquoi tu ne pourrais pas faire, par exemple, 2 millions avec juste comme tu as fait là, parce que tu as dit que tu pourrais dépasser 1 million? Alors en gros, la différence entre, pour moi, e-commerce ou marque et dropshipping, c'est juste le fait d'avoir des stocks. Donc le dropshipping, c'est le fait de faire du e-commerce sans stock. Donc tu vends et ensuite après tu achètes tes stocks. Et en fait, le problème avec ça, c'est que si tu veux faire vraiment des gros chiffres d'un seul coup, donc si tu veux faire des grosses promotions et puis faire genre 1 million ou plus en 24 heures, tu peux le faire, tu peux faire les ventes, mais après tu ne pourras pas envoyer les produits parce que tous les fournisseurs AliExpress, ou bien même si tu travailles avec un agent et qui va demander à l'usine le lendemain, genre ouais, envoyez-moi les produits plus rapidement, pour avoir 1 million, pas 1 million de produits, mais l'équivalent de produits pour vendre pour 1 million, c'est impossible. Tu es obligé d'avoir prévu tes stocks à l'avance, à moins que tu veux et que tes clients ils attendent 2 mois, tu vois. Et moi, je ne suis pas dans le business pour faire attendre les gens 2 mois quand ils achètent un truc en ligne, c'est pas mon but. Donc le dropshipping, ça va très bien, mais à petite échelle. Donc si tu veux monter jusqu'à, je sais pas, je dirais 100 000 par mois, 100 000 de chiffre à faire par mois, ce qui est vraiment pas mal, honnêtement, surtout pour quelqu'un qui se lance, tu peux le faire sans avoir de stock, c'est pas un souci. Le dropshipping en soi, c'est super rentable. T'as pas beaucoup de frais, t'as une grosse marge. Si tu le fais bien, bien sûr, hein. Si tu le fais mal, tu vas perdre de l'argent. Le dropshipping, si tu le fais bien, tu peux faire énormément d'argent. Mais si tu le fais bien, le dropshipping, c'est la meilleure manière de faire du cash, donc de faire du cash flow, donc d'engranger de l'argent. Tandis qu'une marque, c'est plus un projet long terme. Quand tu fais une marque, le but, c'est qu'elle dure plusieurs années, c'est de la revendre ensuite. Mais au début, limite, tu dois investir, donc tu perds de l'argent. Genre nous, il y a des marques, on investit des centaines de milliers d'euros dedans pour faire le stock, pour créer le design, pour modifier les produits, etc. Et on n'a même pas commencé à la vendre. Donc, tu peux perdre de l'argent. Imagine, la marque, elle ne marche pas, tu perds tes 100 000 balles. Donc, c'est beaucoup plus risqué. Tu fais moins d'argent au début,
mais c'est un aspect beaucoup plus long terme. Et puis une marque, tu peux la revendre, et quand tu revends un truc, tu peux te faire des dizaines de millions avec. Donc c'est un autre niveau de business, tu vois. Mon but, c'est pour les personnes dans ma formation ou quand je fais des conférences, ce genre de truc, c'est de leur faire comprendre qu'ils se lancent en dropshipping. Alors, si tu veux te lancer et créer une marque depuis le début, soit tu as au minimum, je dirais, 5000 balles de côté et tu es vraiment déter et tu t'y connais, soit tu vas foirer, tu vas juste perdre ton argent. Alors que dropshipping, tu peux tester, tu peux faire des erreurs et tout, c'est pas trop grave, tu perds quelques centaines d'euros et tout. Et ensuite, au fur et à mesure, tu fais de l'argent. Avec l'argent que tu as fait en dropshipping, tu réinvestis et là, tu crées ta marque. Et là, tu peux faire des millions et des millions, tu vois. Et il y a plein d'étapes entre deux. Ce n'est pas dropshipping ou marque. Tu as genre dropshipping de base, tu as dropshipping amélioré, tu as genre semi-marque, marque, et puis tu as genre marque plus, quoi. Donc, en gros, le but, c'est vraiment de commencer en drop avec du drop basique et de croître, quoi, au fur et à mesure. Wow, c'est énorme. Donc, toi, tu comptes revendre après une de tes marques ou c'est… Ouais, c'est mon but maintenant. Moi, je lance pas un produit si je pense pas que je peux revendre une marque construite autour de ce produit pour plusieurs millions. J'essaie même pas. Genre, c'est pas intéressant pour moi. C'est assez facile pour moi aujourd'hui de créer un site en dropshipping et de faire, je sais pas, 100 000, 200 000 balles et puis de me faire une bonne marge sur le mois et tout. C'est cool, mais ça m'intéresse plus vraiment. Genre, j'ai plusieurs. Ma fortune aujourd'hui, c'est plusieurs millions. Mon but, c'est d'arriver à faire des dizaines de millions. Donc, faire 100 000 balles de plus, 200 000 balles de plus, c'est pas par rapport au temps que je vais y passer, c'est pas très intéressant. Par contre, créer une marque que je peux revendre à 20 millions, bah oui, là, ça me fait passer à un autre niveau. Donc, ouais, dans le e-commerce, c'est mon but principal, c'est créer une marque et la revendre dans 5 à 10 ans. D'accord, ok. Donc, du coup, là, depuis que tu as commencé, on va dire, ouais, depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 3 ans, tu as généré combien de millions ? Chiffre d'affaires, j'ai dépassé les 20 millions, bénéfice, j'ai dépassé les 10 millions là. Ce qui était mon premier objectif quand je me suis lancé. énorme. Tu as 10 millions, il y en a plein qui veulent le faire, c'est là. 10 millions de bénéfices. Ouais, 10 millions, c'était vraiment mon objectif quand je me suis lancé au tout début. Et c'est pour ça que je te dis que moi, depuis le début, je suis super ambitieux. Tu vois, il y a des gens, ils se lancent, ils disent « Oh, si je peux faire 2000 balles par mois avec mon business en ligne, je suis refait, tu vois, c'est mon but. Je dis pas que c'est mal de faire ça. Franchement, je critique pas du tout. C'est juste que moi, c'était pas mon but. Et c'est pour ça que, genre, même si aujourd'hui je suis multimillionnaire, je travaille encore plus que j'ai travaillé de ma vie. Parce que, en gros, mon but, c'était d'arriver à 10 millions. Parce que 10 millions, si tu le places dans l'immobilier et tu le places à la bourse, avec tes rentes, tu te fais environ 40 000 par mois. Et 40 000 par mois, c'est ce que j'avais défini comme argent que j'ai besoin tous les mois pour pouvoir m'acheter tout ce dont j'ai envie, quoi. Donc là, je sais que maintenant, j'ai plus du tout besoin de travailler jusqu'à la fin de ma vie et je peux avoir tout ce dont j'ai envie. Et la seule raison pour laquelle je continue ce que je fais, c'est parce que j'aime ce que je fais. C'est pas pour l'argent. Je travaille plus pour l'argent aujourd'hui parce que je sais que j'en ai bien assez pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Ah ouais, c'est énorme. Mais tu sens, en 3 ans. Ouais, c'est un truc de ouf. Non, c'est un truc de malade. écrire un livre et tout. Hein. ouais, qu'est-ce que je voulais te dire aussi par rapport quand tu as lancé ta chaîne YouTube, je sais que tu avais fait une vidéo où tu disais. Enfin, tu parlais d'une formation que tu avais achetée de quelqu'un dont on ne va pas citer le nom parce qu'il est blacklisté. Hein. il est blacklisté. Et du coup, j'avais dit, mais il est super malin, lui, dis donc. Je me rappelle quand j'avais fait la vidéo, je dis, putain, il est trop fort, il est trop malin. Parce que du coup, ça t'a permis de surfer un petit coup sur le buzz et tout. Ouais, c'est cette vidéo qui a vraiment lancé ma chaîne YouTube. C'est cette vidéo, en fait, j'avais fait cette vidéo. Parce que moi, à l'époque, en fait, ce qui me frustrait, c'est que. Je voyais plein de gens qui faisaient des formations, mais j'en ai acheté plein. Honnêtement, quand j'ai commencé, tout l'argent que je générais, genre, je le réinvestissais en formation parce que je savais que genre, j'apprends un truc. Imagine, j'apprends à utiliser une application sur mon site dans une formation, même si elle coûte 1000 balles, ça va me la rembourser parce que
quand tu fais, je sais pas, 50 000, 100 000 par mois avec ton business, il suffit d'un tout petit truc pour que tu gagnes beaucoup plus d'argent. Donc du coup, j'ai acheté toutes les formations, que ce soit au niveau anglophone ou francophone, et vraiment l'extrême majorité, le contenu, mais genre j'étais là, mais c'est quoi, genre, on voyait en fait souvent que la personne, elle ne faisait pas ce qu'elle enseignait. Genre, c'est vraiment ce qu'on retrouve à l'université. Les gens, ils t'apprennent à faire de l'argent, ou enfin, ils t'apprennent à gérer une entreprise. Ils n'ont jamais géré une entreprise. Eh ben, il y avait la même chose qui se passait en fait dans les formations en ligne. Et c'est vraiment pas le but. Le but d'une formation en ligne, c'est d'avoir quelqu'un qui fait ce qu'il est en train d'enseigner. Et bah, c'est pour ça aussi que je voulais me lancer dans les formations. Et donc, du coup, bah, quand je suis arrivé sur YouTube, bah, j'ai pas eu peur de dire ouais, ok, il y a plein de gens, ils font des formations et tout, mais enfin, moi c'est différent, genre c'est pas la même chose, c'est un niveau supérieur. Et et ouais, donc j'avais fait ça parce que bah voilà, c'était la personne qui était le plus connu à l'époque. Je l'ai vraiment pas clashé, moi je suis vraiment pas dans une optique où je descends les gens, moi je me concentre sur moi-même. Tous les gens qui viennent, qui me critiquent, genre j'ignore complètement. Je me concentre sur moi-même. Je sais que ce que je fais, en tout cas au niveau francophone, ma formation elle est de loin, mais de loin supérieure à toutes les autres. Et les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Au final, les gens, ils savent que c'est la mienne, la meilleure. Ils savent que c'est moi qui fais le meilleur taf et ils reviennent tous vers moi. Alors, je reçois des mails tous les jours. Ah, j'ai acheté la formation de machin. Maintenant, j'ai acheté la tienne. La tienne, elle est 10 fois mieux. Je suis là, oui, je sais. Enfin, voilà. Et en gros, bah, du coup, moi, je n'ai pas clashé. J'ai pas envie de descendre les gens, j'ai juste envie d'être meilleur, quoi. Donc je me concentre sur moi-même. Donc j'ai juste dit, ok, ouais, c'est pas mal et tout, mais moi je pense que je peux faire quelque chose de mieux, je vais peut-être faire une formation moi-même. Et puis après, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais fait une formation gratuite sur YouTube et tout. Et cette formation gratuite, il y avait plus d'infos que dans les formations payantes de genre toutes les personnes qui faisaient des formations payantes à l'époque. Et donc les gens, ils ont vu ça. Et là, ma chaîne, elle a explosé. Genre, c'est ça qu'a fait. C'est l'enchaînement de ces deux vidéos qui ont fait vraiment le start de ma chaîne YouTube. Mmh. Et mais du coup, t'as pas eu, comment dire, parce qu'à un moment donné, t'étais associé un petit peu à lui en termes d'image. Mmh. Comment ce qui s'est passé, c'est que au lieu de, enfin, il a vu que moi, genre, en soi, genre, j'étais beaucoup plus dans le e-commerce que lui. Parce que lui, il avait d'autres projets à l'époque. De toute façon, il avait envie d'arrêter sa formation sur le commerce. Et donc, ce qu'il s'est dit, c'est au lieu de genre essayer de clasher ou de je sais pas quoi, eh ben, je vais faire de l'affiliation. Je vais lui envoyer toute mon audience parce que de toute façon, bah, il est en train de croître sur YouTube. Bah, au lieu de laisser et de rien faire, bah, je vais le mettre en avant. Et puis, bah, comme ça, bah, mes followers, s'ils veulent une formation e-commerce, ils auront une super formation e-commerce de sa part. Et s'ils veulent une formation sur mes autres business que moi, je gère en ce moment, bah, ils viendront et prendront la mienne, quoi. Et donc, du coup, bah, moi, j'étais là, bah ouais, je suis chaud. Ça me permet de... Parce que c'était quand même l'entrepreneur le plus gros à ce moment-là. Bah, ça me permet d'avoir une chaîne d'audience qui arrive chez moi. Moi, ma formation, elle est de super qualité. Donc, ils vont être super contents. Donc, je ne vois pas pourquoi je refuserais, quoi. Et ça, après, bah, ça m'a permis de croître, quoi. Ok, super. Et j'avais aussi une question par rapport à, tu sais, la vidéo que tu as fait justement où tu montres que tu es millionnaire, tu es passé millionnaire, qui a super bien fonctionné, là, qui a 2,5 millions actuellement. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, les gars. Et je veux savoir, du coup, est-ce que ça ne te fait pas plein de gens, parce que du coup, ça te fait connaître à des gens qui ne sont pas du tout dans le business, comme tu disais tout à l'heure. Et est-ce que ces gens-là, tu arrives à les convertir? Parce que beaucoup de gens, des fois, ils disent ouais, il vaut mieux avoir une petite audience, mais que ça soit qualifié, comme ça, tu vends plus, etc. Et je veux savoir ton expérience, du coup, par rapport à ça, puisque. Alors, bah, selon moi, en fait, tu as deux stratégies. Si tu veux vendre des formations, en gros, tu as deux stratégies. Tu as soit tu vas aller convaincre les gens qui connaissent déjà le business, soit tu vas aller convaincre des gens qui ne connaissent pas le business. Et moi, en fait, en soi, au moment où j'ai fait cette vidéo, elle n'est pas vraiment tombée par hasard. C'était une stratégie, mais bon, je ne pensais pas que ça allait aussi bien marcher, mais c'était une stratégie. En gros, moi, ce que j'ai vu, c'est que bah, j'étais déjà le numéro 1 à ce moment-là, mais que, bah, en fait, mes vidéos, elles étaient seulement regardées par des gens qui faisaient déjà du dropshipping et que bah, je n'arrivais plus à croître. Genre, ma croissance, elle a fait comme ça et après, elle était comme ça. Donc, j'étais là, si je veux continuer à croître et à aider plus de monde et à avoir plus de monde qui vient sur ma chaîne YouTube et qui achète mes formations, etc. Il faut que j'ai convaincre les gens qui connaissent pas le business, que le business, en fait, c'est une bonne opportunité pour eux. Et donc, en gros,
Bien sûr que ça va moins convertir parce que c'est des gens qui ne connaissent pas le business, c'est des gens qui sont moins intéressés. Il n'y a qu'une partie de ces gens qui voudront vraiment lancer un business. Mais tu en as beaucoup plus. Genre de personnes qui faisaient du dropshipping à l'époque, il y en avait, je ne sais pas, genre 100 000 en France pour être très, très large. Et par contre, de Français dans la France, il y en a, je ne sais pas combien de dizaines de millions. Donc, dès le moment où tu vas toucher des gens qui ne connaissent pas le business, bah, tu as beaucoup plus de gens qui vont arriver. Et tu peux le voir aussi sur ma chaîne YouTube, au lieu de faire des vidéos qui sont hyper spécifiques, genre je vous apprends à installer cette application, non, je fais des vidéos qui s'adressent à plus de monde. Donc, en gros, je vais prendre une vidéo que quelqu'un qui ne connaît absolument pas le dropshipping, la plupart de mes vidéos sur ma chaîne, c'est ça, et ben, ça va lui apporter de la valeur, ça va apporter de la valeur à tout le monde. Ce n'est pas des vidéos qui apportent de la valeur seulement aux personnes qui sont à fond dans le e-commerce. Et donc, du coup, tu as une nouvelle audience qui est beaucoup plus large. Et oui, tu convertis moins de cette audience, mais vu qu'ils sont plus nombreux, bah, tu as quand même une croissance au niveau de ton business. Ouais, donc en gros, tu as fait ça pour scaler. Tu as arrivé à ton palier de ton marché et puis tu as voulu grossir ton marché. Quoi. Exactement. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu dis par rapport aux gens qui disent que le dropshipping, c'est mort, il y a trop de concurrence maintenant, c'est mort. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Là, c'est une situation un petit peu spéciale avec le confinement, etc. Mais j'ai jamais vu autant de personnes avoir de résultats qu'en ce moment. Genre, ma formation, peut-être au tout début de ma formation, quand j'ai montré mes stratégies et qu'il n'y avait personne qui les utilisait, vraiment personne. Là, au tout début, il y avait genre honnêtement, il y a 200 personnes qui ont rejoint la formation et il y a eu 200 témoignages. Genre, c'était un truc de malade. Et là, aujourd'hui, en ce moment, genre, enfin, là, les derniers mois, j'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines de témoignages et des personnes qui viennent de se lancer en plus. C'est ça le pire. Genre, il y a des personnes, enfin, ils mettent quand ils ont commencé la formation et tout, il y a des personnes, ils ont commencé en mars, ils ont des résultats déjà. Il y a des personnes qui ont commencé en février, ils ont des résultats déjà et des gros résultats en plus. Donc, vu qu'il y a tout le monde qui est à la maison, qui achète en ligne, en fait, il faut se dire, le dropshipping, il ne faut pas se dire, ouais, il y a beaucoup plus de dropshippers, donc du coup, c'est saturé, c'est plus possible. Ce qu'il faut comparer, c'est le nombre de dropshippers qu'il y a, donc le nombre de personnes qui vont vendre en dropshipping, au nombre de personnes qui vont acheter les produits e-commerce. Et le truc, c'est que oui, le dropshipping, sur les dernières années, il y a une énorme croissance, il y a de plus en plus de gens qui font du dropshipping et qui font du e-commerce. Mais le nombre de gens qui achètent en ligne, genre, ils croient encore plus vite. Et en gros, moi, comme je l'ai dit à l'époque, je faisais 1000 balles par jour, il y a tout le monde qui était là. Waouh! Aujourd'hui, si je poste sur un groupe Facebook, je fais 1000 balles par jour, les gens, ils se foutent de ma gueule. genre vraiment. Donc, les résultats des gens, ils ont augmenté. C'est peut-être un petit peu plus dur pour se lancer aujourd'hui, je ne dis pas le contraire, mais tu peux faire beaucoup plus d'argent. Et ensuite, après, tu n'es pas obligé de rester bloqué dans le dropshipping où tu fais des nouveaux sites tous les 3 mois parce que ton produit s'épuise ou je ne sais pas quoi. Là, tu peux vraiment créer des marques parce qu'à l'époque, c'était impossible de créer une marque. À l'époque, il n'y avait pas des agents de dropshipping. À l'époque, il n'y avait aucune formation qui t'apprenait à créer une marque. À l'époque, c'était super, super compliqué. À moins que tu aies 50 000 balles, impossible de créer une marque. Alors que maintenant, honnêtement, toute personne qui se lance en dropshipping et qui fait croître son business, elle peut transitionner avec une marque et durer beaucoup plus longtemps. Donc, pour être complètement honnête, c'est un petit peu plus difficile qu'avant. Mais tu as des formations qui sont 1000 fois mieux expliquées qu'avant. Et tu peux faire beaucoup plus d'argent si tu réussis. Et si tu es vraiment déterminé, tu vas réussir. Si tu es vraiment, vraiment déterminé, tu vas réussir. Ça va apporter tout le monde, comme je l'ai dit avant. Ok. Bon, ben, au moins, ça a le mérite d'être clair. Et comment tu as fait comment tu gères un petit peu tous les clashs? Parce que les gars, ils viennent te clasher, tout ça. C'est ça qu'on est le boss, c'est le risque. Comment tu as géré ça? Ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que justement, il y a quelques semaines, il y a mon associé, il m'a dit, mais en fait, plus ou moins, enfin, toi, tu es le Apple dans la formation en ligne aujourd'hui. Et ben, tu vois le nombre de haters d'Apple qu'il y a. Tout le temps comme ça, le numéro 1, il y a tout le temps des gens qui vont rager. Il y a tout le temps des gens qui vont être convaincus que c'est de la merde. Après, Apple, je ne sais pas, mais c'est juste pour donner un exemple. Mais en gros, vu que je suis le numéro 1, vu que je suis le plus connu, vu que je suis celui qui a les plus gros résultats,
etc., etc., il y a tout le temps des gens qui vont être jaloux ou qui vont, par exemple, tu vois, les gars Android, tu vois, ils ont envie d'avoir, je sais pas, une petite fonctionnalité sur leur téléphone que Apple n'a pas, tu vois. Et après, ils vont rager, ils vont être là, ouais, sur Apple, tu peux pas avoir cette fonctionnalité et tout, c'est vraiment de la merde, regarde Android, il y a cette fonctionnalité, tu vois. Et c'est un peu ça qui se passe, tu vois, t'as des gens, ils m'attaquent sur des trucs random et ils inventent, il y a pas mal de personnes qui inventent des trucs qui sont pas du tout vrais. Et au final, le truc que moi je répète à chaque fois, c'est genre, oui, attaquez-moi autant que vous voulez, mais genre, j'ai la meilleure formation francophone et c'est un fait. Et genre, ça, je l'ai dit 40 000 fois, il n'y a personne qui peut venir me dire le contraire, parce que le nombre de témoignages que j'ai, il n'y a personne qui les a. Genre, c'est le jour et la nuit. Et quand tu juges une formation en ligne, on s'en fout qu'il y ait une vidéo sur, je ne sais pas, comment faire du growth hack avec la technique de scrapping d'email, je ne sais pas quoi. On s'en fout. Ce qui est important, c'est est-ce que les gens qui prennent la formation réussissent ? Est-ce que tu arrives à changer des vies ? Est-ce que les gens qui suivent tes conseils, est-ce que ça marche ? Et bah, ma formation, c'est celle qui marche le plus, genre de loin. Donc à ce moment-là, tu ne peux plus m'attaquer. Et puis deuxièmement, eh ben, au niveau des résultats, genre les chiffres que j'ai, maintenant, je ne les montre plus trop parce que voilà, j'en ai montré tellement de fois. Mais enfin, je vais pas en refaire une vidéo parce que ça fait un moment là que je n'ai pas montré mes chiffres. On a toujours des chiffres de malade. Les chiffres que j'ai, formateur au niveau francophone aujourd'hui, il n'y a personne qui a mes chiffres. Donc, premièrement, tu ne peux pas me battre avec les résultats que tu as en e-commerce. Et deuxièmement, tu ne peux pas me battre avec les résultats que tu as pour les membres de ta formation. Donc, à ce moment-là, tu peux aller dire ce que tu veux sur YouTube. Et il y a des gens qui sont hyper convaincants, qui vont aussi souvent mentir et dire des choses qui ne sont juste pas vraies. Ils vont utiliser toutes les stratégies psychologiques qui existent pour essayer de te tourner la tête et que tu n'es pas allé, t'es pas formé chez Yomi, mais chez eux parce qu'ils ont envie de gagner de l'argent. Mais au final, les chiffres, ils ne montent pas. Les chiffres, ils ne montent pas. J'ai plus de témoignages et puis j'ai des meilleurs résultats qu'eux. Donc, moi, quand on m'attaque, la réponse, c'est juste que j'ignore et je continue à répéter, j'ai la meilleure formation au niveau francophone. Donc, je rentre pas dans le débat, en fait. C'est juste ça. Et puis, ben, les gens, ils m'attaquent et au final, ils disparaissent. Et nous, on fait que grossir et on continue à le faire. Comme disait le grand philosophe Caris, les hommes mentent, mais les chiffres mentent. Mais pas les chiffres. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, je veux savoir un petit peu quand tu as progressé, du coup, dans ton entourage, comment ça s'est déroulé ? Les gens ont dû te voir, je sais pas moi. Qu'est-ce que tu as fait déjà avec ton argent ? Quand tu as commencé à gagner de l'argent, qu'est-ce que tu as fait pour te faire plaisir ? Alors, moi, je suis un gars, vraiment, quand j'étais fauché, j'étais super, super, super radin. J'étais économe. J'étais pas radin, j'étais économe. Je dépensais vraiment pas mon argent. J'économisais tout ce que je pouvais. Je gagnais très peu d'argent, enfin je gagnais pas d'argent, enfin j'étais étudiant, je gagnais pas d'argent. Après j'ai fait 2-3 petits trucs pour mettre de l'argent de côté, mais je dépensais que dalle. Et le truc, c'est que c'était une habitude qui était tellement ancrée profondément dans mon cerveau que même quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je dépensais rien. Genre j'étais millionnaire, j'habitais toujours dans le même appart. J'habitais toujours dans le même appart d'étudiant fauché, j'ai pas déménagé. J'ai pas acheté de voiture, j'ai pas commencé à claquer mon argent de boîte. Le premier gros achat que j'ai fait, en fait, c'est ça, c'est cette Rolex. C'est cette Rolex et j'ai fait une vidéo avec et elle a fait 100 000 vues. Donc, du coup, ça a augmenté ma visibilité sur YouTube. Après, il y a des gens qui ont acheté mes formations, c'était rentable, quoi. Donc, en gros, je dépensais. Hein ? C'était un actif, quoi. C'était même pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Genre, vraiment, je pense que jusqu'à début 2019, où j'ai regardé mon compte en banque et il y avait genre plusieurs millions dessus et je me suis dit mais ouais en fait je peux vraiment commencer à dépenser ça va pas trop changer genre si je dépense 10 000 balles genre je vais pas remarquer en fait tu vois ouais. Et à partir de ce moment là que j'ai commencé à dépenser. Avant je dépensais rien du tout donc à partir de 2019 qu'est-ce que j'ai acheté j'ai commencé à acheter des habits de marque. Je suis parti un peu en vacances, j'ai commencé à voler en business 2-3 fois. Quand je prenais des chambres d'hôtel, je me faisais plaisir. Après, les boîtes de nuit, c'est un peu mon vice, quoi. C'est là où il y a pas mal d'argent qui part, quoi. Donc, ouais, j'ai commencé à prendre des tables en boîte. Mais je dirais que 90% de l'argent, même aujourd'hui que je gagne, je l'économise. Donc, je suis pas.
Je suis pas quelqu'un qui dépense énormément. Enfin, mon appart, il coûte cher. Mon appart, c'est vraiment un passif, un gros passif pour le coup. Mais le reste, j'essaie vraiment de minimiser ce que je dépense. Et comment tu t'es senti quand tu as accompli, quand tu as vu que tu pouvais dépenser, tu pouvais faire ce que tu voulais en fait. Tu avais réussi en fait, ta vie en fait. En fait, le truc, c'est que tout le monde s'imagine genre que c'est genre... t'es fauché et puis après t'es millionnaire et puis t'as ce moment où t'es là waouh j'ai accompli. En fait le truc c'est que tu t'en rends pas compte parce que ça va hyper hyper graduellement, donc t'as aucun moment où t'es vraiment en mode waouh c'est bon j'ai réussi ma vie. Genre le moment, le jour où je suis devenu millionnaire, genre j'étais pas super heureux, enfin pas spécialement plus heureux parce que je savais que j'allais être millionnaire depuis 2 mois, tu vois, donc c'était pas une surprise. Après, tu vois, genre le jour où j'ai fait 1 million en 24 heures, là, sur ma boutique, là, je m'y attendais pas. Pour le coup, là, genre, j'étais, mais wow, genre, je voyais en une heure, genre, je me rappelle plus exactement à quelle vitesse ça allait, mais en une heure, j'étais là, mais putain, mais le temps que ça prend pour des gens normaux pour faire cet argent, et genre là, moi, je suis assis derrière mon ordi, et en une heure, je viens de faire cet argent-là, tu vois. Genre, ouais, je crois, la première heure, on a fait 170 000 dollars, tu vois, j'étais là, en une heure, je viens de faire ce que gagne, genre. Un PDG d'une boîte de moyenne taille, tu vois. Donc, un gars qui est potentiellement, genre, je pensais, tu vois, j'ai regardé le salaire des gens qui sortaient d'Harvard. J'étais là, le gars qui sort d'Harvard, qui est le meilleur étudiant et tout, qui prend une place dans une grande banque et tout, ce que je viens de faire en une heure, c'est ce qu'il fait en 2 ans, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, c'est un truc de fou. Et il y a eu plusieurs moments comme ça, tu vois. Il y a eu quand j'ai fait 1 million en 24 heures, ma deuxième conférence à Paris, quand j'arrive, on avait loué enfin c'était dans un cinéma, quoi. J'arrive et tu vois un cinéma plein, genre à craquer, et les gens ils me tapent dans les mains et tout, il y a la musique avec, j'étais là, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et t'as ces moments où quand j'ai loué le jet privé pour mon anniversaire, t'as ces moments où t'es là, tu te poses et tu te dis, ouais, il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'étais, mais genre, fauché, j'avais aucune idée que ça allait changer comme ça. Et aujourd'hui, je suis là aujourd'hui. Et là, t'as un sentiment de gratitude et de bonheur qui est assez ouf de voir le parcours qui t'as pu accomplir, quoi. Ouais, carrément. Et comment tu fais pour être toujours au top? Est-ce que c'est lié à la langue? Est-ce que c'est parce que tu parles anglais aussi? Parce que du coup, tu peux te former et tout? Parce que moi, je suis en galère, j'essaie de parler anglais, c'est pour ça que je suis beaucoup aux États-Unis pour travailler en anglais, parce que c'est chaud. Et ouais, je veux savoir, est-ce que c'est un point qui, pour toi, est important dans ta réussite? Alors, déjà, premièrement, je ne suis pas toujours au top. Genre, oui, sur mes vidéos YouTube, j'ai l'impression que genre, c'est toujours plus haut, genre, ça ne s'arrête jamais, genre, qu'est-ce qui se passe? Mais au final, depuis que je me suis lancé, j'ai fait des conneries, j'ai perdu de l'argent par-ci par-là dans des trucs cons. J'ai travaillé pendant des mois sur des projets qui, au final, j'ai même pas lancé, ou bien je me suis rendu compte que je me suis trompé du tout au tout. J'ai fait plein d'erreurs, tu vois, je fais plein d'erreurs. Après, je pense que je fais moins d'erreurs que la plupart des gens, et c'est pour ça que je vais beaucoup plus loin. Et puis, je pense que j'ai une capacité à voir les bons coups, quoi, d'une certaine manière, et à voir comment améliorer le business et comment l'emmener plus loin. Donc, je pense que le plus important, déjà, c'est d'être régulier, d'avoir une discipline et de travailler régulièrement. Parce que, honnêtement, la plupart des gens que je vois, ils arrivent à un certain niveau de succès et après, ils se reposent sur leur laurier, tu vois. Et moi, le truc, c'est que j'ai eu la chance de... Depuis que je me suis lancé, je ne suis pas un gars qui, genre, je suis tombé sur une vidéo de dropshipping sur Internet, j'ai vu voilà, la formation d'Yomi, je me suis lancé, j'ai suivi la formation, puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe, je fais 100 000 balles. Et après, j'ai 100 000 balles et je vais tout claquer parce que je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie, et puis je suis refait, puis j'ai l'impression d'être le roi du monde. J'ai jamais eu ce problème-là qu'ont pas mal de mes étudiants, parce que voilà, au mastermind, tu vois, quand je parle aux meilleurs étudiants de ma formation, genre, c'est un problème que pas mal de personnes ont. Non, moi, tu vois, j'avais 1 million, mais j'étais là, mais comment je fais pour en faire 10, tu vois, genre 1 million, ça va pas du tout, c'est pas suffisant, genre j'avais l'impression d'être pauvre presque, parce que j'avais cette ambition depuis le début de faire un truc énorme. Et donc, ce qui fait que au lieu de, quand j'ai eu mes premières réussites, d'être là en mode ah ouais c'est bon, là on va chiller et tout, j'avais mes premières réussites, mais je continue à travailler autant, si ce n'est plus que avant.
Et ça, ça m'a permis de continuer à avoir cette croissance. Et puis après, l'anglais, j'ai appris à parler anglais assez vite parce que j'ai toujours regardé plein de trucs sur YouTube, des films, même la musique en anglais. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'infos aux US que j'ai utilisées, mais c'était quand je me suis lancé. Honnêtement, maintenant, j'essaie toujours de me former et tout, mais il n'y a plus de contenu. Genre, la plupart du contenu qu'on peut trouver sur Internet pour les business en ligne, y a énormément de contenu pour les débutants. Il y a une tonne de contenu, il y en a même beaucoup trop. C'est pour ça que les gens sont perdus aujourd'hui et qu'ils tournent en rond, ils n'arrivent à rien. Et ensuite, quand tu es au niveau moyen, genre, je ne sais pas, quand tu fais des centaines de milliers par an, genre 1 million par an, par là, là, tu as encore pas mal de contenu qui peut t'aider à aller plus loin. Mais honnêtement, au niveau où je suis aujourd'hui, il n'y a plus trop de contenu. Et donc, du coup, tu dois changer ta manière d'apprendre. Au lieu d'acheter une formation ou aller à un séminaire ou genre… je sais pas, prendre un coaching ou je sais pas quoi, tu dois apprendre par toi-même en faisant des hypothèses et en testant, tu vois. Genre, je suis là, ok, si je fais ça pour mon business, est-ce que ça peut avoir cette répercussion-là et donc je ferai plus d'argent grâce à ça. Et j'essaye. Et après, je regarde, si ça marche, je fais plus, si ça marche pas, j'arrête. Et c'est comme ça que j'apprends et je progresse en fait. C'est pas en prenant une formation et en appliquant le contenu, quoi. Ok, lourd. Et j'avais une question par rapport qui est plus d'ordre personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent par exemple que quand tu te lances dans le business, il vaut mieux pas avoir de copine ou un truc comme ça. Comment toi tu as fait pour gérer relations amoureuses et développer un business qui a emmené jusqu'à 1 million, quoi? Alors le plus important en fait, c'est d'être très clair depuis le début. Et moi, c'est ça que j'ai fait en fait. Depuis le début, parce qu'avant, j'étais pas concentré sur le business, mais j'étais concentré sur les études. Du coup, j'ai toujours eu un truc qui me prenait énormément de temps et un truc qui était ma priorité. Et le truc que j'ai dit depuis le début, c'est que ma priorité, c'est mes projets. Et si je dois passer beaucoup de temps sur mes projets, je passerai beaucoup de temps sur mes projets. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je te considère pas, c'est juste que c'est ma priorité. Et si toi ça te va pas, ça ira pas parce que je suis pas prêt à changer ça. Et dès le moment où c'est clair depuis le début, après ça dépend bien sûr, enfin pas toutes les personnes sont différentes. Il y a peut-être une fille qui va pas vouloir accepter ça et qui a besoin de beaucoup de temps, beaucoup d'intention et ça va pas marcher. Mais au moins c'est clair depuis le début. Et puis moi ça a été clair et à ce moment-là ça a marché. On savait quand on se voyait et on se voyait à ces heures-là et puis voilà. Et on essayait du coup de vraiment passer des bons moments au moment où on se voyait. Le truc, c'est que la plupart des gens, ils vont pas le faire comme ça. Ils vont juste dire « Ah ouais, mais attends, faut que je travaille encore un petit peu plus. Ouais, mais t'inquiète, la semaine prochaine, on passera plus de temps ensemble. Ah ouais, mais t'inquiète, on va aller faire des vacances après, ça ira mieux, etc. » Au lieu de dire « Non, je travaille beaucoup, mais c'est ma priorité. » Les gens ne vont pas assumer que la priorité, c'est le business. Et donc, du coup, vu que tu n'es pas clair avec la personne, elle va s'énerver, ça va poser des problèmes. Après, toi, tu vas promettre des trucs, tu vas pas faire ce que tu as promis, plus de problèmes. Et puis après, c'est comme ça que ça se finit mal au final. Ok. Bon, merci de ton retour. Putain, ça fait un moment qu'on parle là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. En tout cas, les gars, si vous n'avez pas encore pris sa formation, je ne sais pas ce que vous faites. je pense qu'on a fait pas mal le tour. Donc, je voulais savoir un petit peu. Donc, t'as répondu à pratiquement tout ce que je voulais te dire. Donc, ta formation, en fait, comment tu fais pour que ça soit toujours d'actualité? Parce que je sais que le dropshipping, ça va super vite, ça change. Ouais. Les stratégies d'il y a 3 mois, ça ne fonctionne plus. Enfin, j'exagère. Ouais. Ça aussi, c'est un truc qui m'a permis de toujours croître et puis de permettre aux personnes qui rejoignent ma formation d'avoir autant de résultats et puis d'être autant appréciées dans le monde du e-commerce, c'est que la formation que j'ai aujourd'hui, c'est la 5e version de la formation. C'est la 5e version. Et la formation, je l'ai lancée il y a 2 ans. Donc en 2 ans, j'ai fait 5 versions de la formation. Et toutes les personnes qui ont acheté la première formation, ils ont eu accès gratuitement à la deuxième, à la troisième, à la quatrième et à la cinquième. Et donc, du coup, le,
le truc, c'est que j'abandonne pas les personnes qui rejoignent la formation. Je vais leur donner du nouveau contenu et ce sera gratuit pour eux parce qu'ils m'ont fait confiance à un moment. Et si les stratégies, elles évoluent, si il y a des trucs que j'ai envie d'apporter en plus dans la formation, et ben je leur donne gratuitement. Et donc ça permet à la formation d'être toujours d'actualité. Et puis ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je suis arrivé à un niveau où, de toute façon, dans ma formation, je donne tout ce que je sais. Je ne vais pas garder des stratégies pour moi parce que je suis convaincu que, étant donné que voilà, c'est moi qui développe les stratégies, que je travaille plus dur que la plupart des membres de ma formation, qu'on a une équipe, qu'on a plus de ressources financières, je suis convaincu que même si les membres de la formation ils ont exactement les mêmes stratégies que moi, j'arriverai toujours à faire tourner mes business e-commerce sans aucun souci. Et puis au final, je développe toujours de nouveaux trucs, donc j'aurai toujours un temps d'avance. Mais je donne tout ce que je sais dans la formation. Et donc là, je suis arrivé à un point où genre, j'avais plus rien à donner. J'ai rajouté un module dans la formation. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai fait venir des intervenants, j'ai fait venir toutes les personnes qui étaient les meilleures dans chacun des domaines. Donc là, typiquement, on a Farès. Genre, le gars, c'est un monstre. Le mois passé, il a fait 3 millions en France uniquement avec une de ses marques. Donc le gars, il gère uniquement la publicité Facebook. C'est pas sa marque à lui. C'est un gars qui gère la publicité Facebook. Mais genre, sur l'ensemble des marques, il a fait plus de 5 millions de chiffre d'affaires au cours du mois passé, un truc comme ça. Donc, moi, je suis bon en pub Facebook, j'ai généré plusieurs millions en pub Facebook, mais genre, je ne suis pas au niveau du mec. Donc, ce que je me suis dit, c'est je vais le prendre lui et c'est lui qui va venir faire le module Facebook. Et on a fait la même chose pour le module email marketing, pour le module Snapchat, pour la création de sites, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Pour le module Google Ads. Donc, on a aussi le copywriting. Il y a Stan Marketing Mania, je ne sais pas si tu connais, qui fait le module copywriting. Donc, en gros, maintenant, ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas seulement mes stratégies, il y a les stratégies de tous les meilleurs dans leur domaine au niveau francophone. Et c'est comme ça qu'on arrive à fournir vraiment le meilleur contenu à tous les mondes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que si tu ne réussis pas en dropshipping, c'est impossible de ne pas réussir en dropshipping? Non. La majorité des gens réussissent pas en dropshipping. Mm-hmm. L'extrême majorité des gens ne réussissent pas en dropshipping. Pourquoi ? Premièrement, parce que les gens n'ont pas le mindset. Les gens n'ont pas le mindset et en plus de ça, le problème, c'est que les gens ne sont pas prêts à changer leur mindset. Donc, pour moi, tout le monde peut réussir à condition que la personne soit prête à changer son mindset. Et il y a plein de personnes qui ne voudront pas changer leur mindset. Donc, sur YouTube, il y a plein de gens qui regardent des vidéos, ils essaient de se lancer, ils n'arrivent pas. De toute façon, ils n'ont pas les bonnes stratégies, ils n'arrivent pas, ils arrêtent. Donc, tu as l'extrême majorité des gens, déjà, ils ne vont pas vouloir se former parce qu'ils croient qu'ils ont tout compris ou bien ils vont juste se former sur YouTube rapidement et ils ne vont pas réussir parce qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies, ils n'ont pas la bonne structure, ils n'ont pas une marche à suivre. Donc, je dirais que voilà, tu as 90% des gens qui ne réussissent pas, ils essaient, ils abandonnent juste parce qu'ils n'ont pas assez de motivation, qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies et qu'ils ne veulent pas changer leur mindset. Et après, dans le 10% qui reste, bah, t'as d'autres facteurs quoi. T'as est-ce que tu suis les bonnes stratégies, est-ce que tu persévères parce que tu vas pas réussir comme ça, est-ce que t'es prêt à travailler de manière régulière parce que la plupart des gens ils travaillent pendant 2 semaines et après dès que c'est un petit peu moins fun ils s'arrêtent alors que c'est justement là que c'est le moment le plus important. Est-ce que t'es prêt à te former comme un malade, à changer ton mindset, à avoir vraiment le bon mindset. Et si une personne, elle a tous ces points-là, le succès, c'est qu'une question de temps. C'est ce que je dis tout le temps. Si tu as le bon mindset et que tu as les bonnes informations, tu vas réussir. Tu ne vas peut-être pas réussir en 1 mois, peut-être même pas en 3 mois, peut-être même pas en 6 mois, parce qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité. Il y a des gens qui peuvent travailler seulement 1 heure par jour parce qu'ils ont d'autres trucs à côté. Mais si tu continues, si tu n'abandonnes pas, tu vas réussir. Et il y a des membres de ma formation qui réussissent en 2 semaines. Tu as des gars, ils arrivent, ils bouffent le contenu en 1 semaine et la semaine d'après, ils ont des résultats. Et tu as des gens, ils prennent plus de temps parce que bah, peut-être que, voilà, ils ne sont pas habitués. C'est la première formation en ligne qu'ils prennent. Peut-être qu'ils ont moins de temps. Peut-être qu'au début, ils ne suivent pas vraiment les stratégies. Ils essaient de faire à leur sauce, ils n'arrivent pas. Mais j'ai plein de témoignages de personnes qui sont là, ouais, au début, j'ai pas fait comme il faut et tout, mais maintenant, 1 an plus tard, je fais 100 000 balles par mois. Et 1 an, ça peut paraître long, c'est ce que je dis toujours, 1 an, ça peut paraître long. Normalement, si vous allez vite, ça va pas prendre 1 an, mais 1 an, ça peut paraître long,
Mais est-ce qu'un an, c'est vraiment si long que ça? Si après, tu es indépendant financièrement et tu fais 20 000, 30 000 de bénéfices par mois, moi, je trouve pas que c'est si long, quoi. Quand tu compares au délai que tu prends avec les études, etc., etc. Donc, non, il n'y a pas tout le monde qui réussit. Il y a encore moins de personnes qui réussissent vite. Mais si tu as tous les critères, je suis persuadé que tu réussis au bout d'un moment. OK. Donc, en gros, si tu es déterminé, parce que les gens qui regardent cette vidéo, c'est des gens qui sont déterminés. Donc, s'ils sont déterminés et qu'en gros, ils ont des bonnes stratégies, bah, en gros, parce que... Bon, comment on fait pour savoir si jamais on a les bonnes stratégies? Bah, si jamais le formateur a les résultats et si les élèves ont les résultats, bon, bah, c'est que tu as les bonnes stratégies. Donc, en gros, s'ils ont ta formation, hein, pour être clair, direct, et qu'ils sont déterminés, ils n'ont pas le choix de réussir. Non, le succès n'est qu'une question de temps. C'est aussi simple que ça. Okay. S'ils suivent la formation, ils regardent vraiment la formation et ils appliquent la formation, le succès n'est qu'une question de temps. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont réussi pour que ça ne marche pas. J'ai plus de 1000 témoignages aujourd'hui. Plus de 1000 témoignages. Et dans les témoignages, c'est des personnes, genre, il y en a, elles ont 16 ans, même moins. Il y en a un, il a 15 ans, je crois, dans les témoignages. Et tu as des personnes qui ont 60 piges. Tu as des personnes qui sont français, tu as des personnes qui sont africaines et qui viennent d'Afrique, tu as des personnes qui vivent je sais pas où, tu as des personnes qui sont étudiantes, tu as des personnes qui ont déjà un autre business en parallèle, tu as des personnes qui travaillent dans une multinationale. Genre, peu importe qui vous êtes, si vous suivez et appliquez les stratégies de la formation et que vous faites l'effort de changer votre mindset, parce qu'il va falloir le changer et que c'est pas facile de changer son mindset, eh ben le succès n'est qu'une question de temps. Bon, écoute, je pense que tu as dit le mot de la fin. Donc, cliquez sur le lien, vous êtes libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour accéder à la formation de Yomi. Je pense que là, il vous a tout dit. Hein, si jamais tu es déterminé que tu veux faire du dropshipping, hein, tu as compris que ce n'est pas moi qui faut demander. Parce qu'à chaque fois que tu me demandes, je ne fais pas de dropshipping. Okay. Donc moi, je sais que Yomi, c'est le boss. Hein. À un moment donné, quand j'ai vu tout le monde le clasher, j'ai dit « Oh !» Lui là, si tout le monde le crache dessus, c'est qu'on est pas mal. On doit être bon. Non, mais il n'y a pas tout le monde qui me clash. Abuse. C'est seulement mes concurrents. C'est que c'est. Il n'y a personne. J'entends. J'ai vraiment jamais, presque jamais entendu. Enfin, déjà, de membres de ma formation, j'ai jamais eu une seule personne qui m'a clashé. Parce que les gens, quand ils rentrent, ils voient que voilà, c'est de la qualité. Et après, ben, la plupart des gens qui me clashent, c'est des gens qui vendent une formation, donc c'est facile, tu vois, genre, c'est clair, si t'es Samsung, tu vois, même si t'es genre, je sais pas, t'es BlackBerry, tu vois, ton truc, il est cramé, ça marche plus du tout et tout, bah, tu vas quand même dire que Apple, c'est de la merde et que BlackBerry, c'est mieux. Mais après, est-ce que t'as des preuves? Non. Moi, ouais, je pense que voilà. C'est juste du marketing, mais voilà. C'est du marketing. C'est qu'il y a une raison, tu vois. Mais bon, après, tu dis ça, mais moi, je t'avais vu depuis le début, quand t'as commencé à arriver, quand t'avais fait la vidéo sur... voilà. Là, je veux pas de problème. Moi. On te passe le bonjour hein, si tu regardes cette vidéo. Il y a aucun souci. Très bien. Mais donc voilà, les gars. Donc, en tout cas, si vous voulez vous lancer dans le dropshipping, c'est maintenant où j'en ai arrêté de dormir. Si tu es déterminé, tu es libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous et tu pourras accéder. Oui, c'est un investissement. Bah ouais, les gars, c'est vrai que tout est gratuit. Voilà, mais un investissement, regardez, il a fait 20 millions, ça ne veut pas dire qu'on fait 20 millions, mais je veux dire, même si tu fais 1000 par jour, apparemment, maintenant, c'est une honte. Non, mais je te jure, sur le groupe de la formation, non, c'est clairement pas une honte, hein, mais sur le groupe de la formation, genre, je ne sais pas combien de témoignages j'ai, les gars, ils sont genre à 1000 ou même à 50 000 balles de bénéfice, et ils sont là, bon, je sais que c'est rien comparé aux autres membres du groupe, mais... c'est déjà un accomplissement. Puis tu sais, moi, je suis là. Non, mais attends, c'est un truc de malade, mon gars. Genre 99% de la population rêverait d'être à ta place. T'as fait un taf de malade. C'est bravo, bravo. Mais les gars, ils sont là. Oh non, je suis que à 1000 euros par jour. Ça veut dire le standard. Déjà, en plus, vous avez accès à un groupe Facebook où les standards sont super élevés. Ouais. Les gars, 50 000 balles par mois, c'est rien. Donc, tous les gens qui me demandent ouais, pour être entouré de gens, pour que mon mindset il s'élève. Bah voilà, tu as l'occasion de pouvoir rejoindre un groupe aussi puissant comme ça. Donc, en tout cas, merci Yomi
d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est inspirant de ouf. Moi, ça m'inspire de ouf, ton parcours. C'est énorme ce que tu as fait. Et on te souhaite tout le bonheur du monde, pour tout éclater jusqu'où tu veux aller. Je ne sais pas où jusqu'où tu veux aller. Ah, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Jonathan pour une nouvelle vidéo. C'est la marque de fabrique. J'étais obligé. Ok, bon, peut-être que tu as un dernier, deux, trois conseils pour les gens qui ne peuvent pas se lancer, peut-être finir. Non, je crois que j'ai plus ou moins tout dit, quoi. Les mindset, c'est le truc le plus important. Apprenez à changer votre mindset. Vraiment, c'est le point qui fait échouer la plupart des gens. C'est que les convictions sont de plus grands ennemis de la vérité que les mensonges. Donc, quand on est convaincu quelque chose, c'est vraiment très dur de changer d'avis. Donc, quand vous vous lancez dans le business, il faut changer votre manière de penser. Et ça, c'est très, très dur. Mais faites l'effort. Quand vous avez un mentor, quand vous suivez les conseils de quelqu'un et qu'il vous donne un conseil, de vraiment, même si vous n'êtes pas d'accord avec, de boire ses paroles. Parce qu'en général, si une personne, elle a atteint l'objectif que vous voulez atteindre, si vous commencez à penser comme cette personne, vous allez aller loin. Et la plupart des gens, ils entendent un conseil, ça ne résonne pas avec eux. Ils sont là, non, c'est moi, je sais, il a tort, etc. J'ai appris comme ça, je n'ai pas envie de faire comme lui. Et c'est de là que viennent vraiment beaucoup d'échecs. Donc, vraiment changer votre mindset. Soyez flexible, changez votre mindset. Ok, ben je pense que tu as tout dit. Et croyez en vous, les gars. Bien sûr. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me mettre un petit j'aime, d'accord ? Un petit j'aime pas parce que tu es un rageux, tu es un concurrent qui veut vendre des formations qui vénère. En avant et qui pète tous tes chiffres. Sinon, les gars, ben, je pense qu'on a tout dit. On lâche rien. Ok, la formation, allez-y, les gars, arrêtez de dormir, arrêtez de trouver des excuses. Oui, mais si, je ferai ça demain. Oui, mais j'ai pas encore l'argent. Oui, arrête. Ok, si tu veux changer ta vie, c'est maintenant. Ok, donc tu es libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo et on reste déterminés. Let's go. Ciao.